Monsieur K, de bonne humeur. Ah oui, ça arrive parfois. J'espère que vous allez bien. On retourne dans Horizon Zero Dawn, dans le DLC, The Frozen Wilds. Et il fait pas froid là, hein. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, je crois que je vais tomber la veste là. Il fait un peu chaud. Où on est? Ah, on est dans les forges de Héphaïstos. Alors Héphaïstos, vous le connaissez peut-être sous un autre nom, Vulcain, ça vous parle peut-être plus. Non, pas le groupe de métal. La divinité Vulcain, qui vivait sous terre et qui fabriquait en douce toutes les machines de guerre pour que les humains se mettent sur la gueule. Parce qu'il n'y a que à ça qu'ils étaient bons à l'époque et voilà. Moi, j'ai un petit problème, parce qu'il faut que je continue d'avancer dans ces forges. Et il faut que je fasse... que je déroule une passerelle pour mes deux potes là-bas. La passerelle... Il y a un inter qui est là-haut. Merde, je l'ai perdu. Un inter qui est... Attendez, je vais vous dire. Oui, là-bas. Qui est là. Mais alors, pour y accéder, c'est... Vous voyez le plus simple? Bah, c'est l'opposé. Oui, il faut que je fasse tout un tour. Je suis monté par ici, par là, ici, jusque-là. Je pense qu'il faut que j'aille là-bas, que je fasse tout le tour comme ça, que je m'accroche à une cabine de téléski. Oui, c'est des cabines de téléski. Vulcain, beaucoup de monde. Qui me permettront de me laisser tomber probablement sur ce truc. Ou de m'en rapprocher. Ce serait une bonne nouvelle. On va la tenter. En espérant qu'il n'y a pas trop de créatures. Ce serait bien. Alors, il y a plein de nouveaux mécanismes. Des pistons, des trucs pour s'accrocher, c'est assez bizarre. Et on m'invite à aller plutôt par là pour l'instant. Ça n'a pas l'air très stable. Des champis! Sac de soins plein. Ok. Je pourrais aller où moi? Je vais péter ce truc. On va essayer de tracer notre voie dans tout ce joyeux monde. C'était le saut le plus bizarre du monde. Je sais pas où je vais, mais j'y vais, les gars. Là, saute. Tant que ça se replie. Et voilà. Oh la vache. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je repose la question. Oui, c'est ça, fait mal. Tu l'auras pas fait très longtemps, je pense. Moi, je pense que je peux sauter direct en face, les gars. Attention. Ouais, total. Tu le fouilles ce truc ou tu le regardes? Il y a du monde au-dessus ou ça? Ah ouais. Oh là là, ce niveau de dingue. Je peux pas passer directement à droite. Non, vraiment, sans façon. Bah, ça m'arrangerait beaucoup quand même, les amis. Ça va être le souk. Il me fait peur ce truc. Coucou. Hé, je suis là, tu me cherches? Non, derrière. Ah, bien. Regarde, souris, c'est pour la photo. Relève-toi. Où je pourrais passer? Ah bah, faudrait que je saute là-dessus. Putain, c'est osé quand même. J'ai pas la grosse envie, les gars. Le choix ou pas? Ok. Bouge. Ah, c'est tordu. Et on va donc prendre une cabine Pomagalski. J'y tiens, je suis sponsorisé par Poma.
Bah c'est du coin. On se soutient entre les montagnards. Quoi. Qui va me ramener sur la plateforme en espérant allez, bien viser et faire un petit tour. Petit tour. Entre tes bras. Faut pas que j'oublie qu'il faut sauter à un moment. De préférence le bon, ce serait bien. Alors normalement, les télécabines, c'est dedans qu'on voyage, hein, pas à l'extérieur. Ça m'a l'air pas mal, là, mais c'est un peu haut. Je pense que je vais me laisser tomber sur la plateforme qui est réellement prévue pour, parce que là, ça serait une connerie de me scratcher la gueule comme une... Vous voulez pas le savoir, de toute manière. Là, on est bon. Sploop. Oh, regardez comment on est bien. J'y suis presque. Ce serait pas le moment de se mettre un gadin et retomber tout en bas. Oh non! Qu'est-ce qu'il était merdique ce passage, les amis! Non mais vraiment quoi. Oui, il est merdique. Plop! Petit bonus, voilà. Bon, je vais aller activer mon inter pour que la passerelle se déroule et que mes collègues puissent me rejoindre. Alors, dans les forges des Phaistos, on a eu du sacré combat. Moins de mal à arriver ici. Avec un gros énervé qui était vraiment très en colère. Quoi. Et heureusement que j'avais mes deux collègues, puisque seul je ne serais jamais sorti. L'arène était vachement délimitée, ça tirait dans tous les sens. On ne tirait pas, il y avait des grands coups de mâchoire ou des grands coups de queue. C'était assez douloureux comme combat. J'ai pas fait pire, sur celui-là. On dirait l'ancienne. Pourquoi vous me laissez passer devant? On est pas allé en éclaireur des fois un peu, on change, parce que c'est tout le temps moi devant là, il y en a marre. J'espère qu'on peut changer d'ongle. Oui, super. On va te mettre une pause de ouf. Ils ont rajouté des pauses, j'ai l'impression. Il y en avait une qui était pas trop mal. Oui, elle avait l'air un peu blasée. C'était parfait. On va faire avec et sans. Expression visage. Tire encore plus la gueule, non? Mais...
C'est pas mal. Je le répète? Oui. Faut pas avoir de honte à faire des photos dans HZD. C'est fait pour. Hein. Totalement. Et c'est vraiment amusant. Traitement croisé. Si je descends à 0. Ouf. C'est pas mal boosté comme ça. Alors, cette structure, elle est délirante, quoi. On y retourne. Oui, avant de déclencher quoi que ce soit, récupérons tous les bonus. Ça évitera bien des déceptions. Il n'y a pas de lumière bleue. Hein? L'esprit est-il présent? Ils vont pas laisser ça comme ça. Les deux, je crois. Mais ça reste à vérifier. Voilà, encore un super jeu. Alors, il faut relier tous les points. Point, 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 point. Possible menace sévère détectée. Non, il était très bien comme il était sûr en fait. Et plaf, plaf, plouf, plaf, plouf, plouf, pitch. Ah, il y a un truc que j'ai pas dû piger. Parce qu'il y en a deux à allumer cette fois. Donc en toute logique, ça voudrait dire que celui-là, il serait... Voilà. Il serait ou comme ça. Ou comme ça. Alors on voit pas super bien la matérialisation du rayon. C'est un peu merdique. Pup, pup, pup. Alors celui-là il est là, celui-là il est là, celui-là il est pas bon. Plop. Analyse de la matrice d'observation. Voilà. Celui-là il va revenir. Non, l'autre. Menace sévère confirmée. Alright. Et là je suis ennuyé parce que le dernier je le fais comment? S'il faut que je le fasse en simultané, c'est un peu tendu. Je vais déjà me tourner tout ça comme il faut. Donc lui, il va arriver là. Il va arriver là-dessus. Il faudrait que logiquement je le tire sur ça. Et je peux bouger celui du milieu. Non, pas arrivé non plus quand même. J'avais cru. Comment je fais pour activer celui-là du coup? Qu'un rayon les gars, je suis comment? J'ai pas compris. Faut m'expliquer un peu. Ok. Attends, on va voir. Quand c'est là-dessus, c'est fini, ça avance plus. Ouais. Et ça, quand ça tourne comme ça, ça ne tire pas de rayon de ce côté. Admettons. Donc là, je suis bon, il est pas bon, comme ton cœur. Oui, il fait ça, mon cœur. Ouais. Je vais pas me laisser avoir par un truc tout bête comme chou. En plus, je suis pas en live aujourd'hui. Je peux même pas demander l'assistance du chat.
qui est vraiment, vraiment triste. Très triste. Et si je m'y prenais autrement, parce qu'en général, ils aiment bien qu'on utilise tous les trucs. Le problème, c'est que je n'arrive pas à matérialiser. Comment je peux avoir deux rayons? C'est vraiment space. Celui-là, s'il éclaire celui-là, boum, il va là-dessus. Je peux faire ça, 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 ça. On va essayer de changer complètement le truc. Ah, bien ce que ça fait. Doc. Doc. Oui, je vais essayer un truc bête, mais ça me donnera une vue d'ensemble où je serais peut-être mieux. Je vais lui faire faire un tour à ce truc. Seul rayon, je peux en faire deux. C'est moi, je pige pas là. Ouh.